Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Donc nouvelle série sur Prey, merci à GameSpot.com pour m'avoir offert le jeu. D'ailleurs vous pourrez, je vous invite à aller le voir si le jeu vous intéresse. Il y a un moins 25%, c'est-à-dire à 45€ grosso modo au lieu de 60 sur GameSpot. Je pense que vu les retours que j'ai vus sur Steam déjà, il y a un gros plaisir de jeu à prendre. Deux petits détails, apparemment les musiques sont pas forcément super. De ce que j'entends là, c'est pas trop mal. Et en deuxième détail, je pourrais dire aussi qu'apparemment le FOV est très proche des choses. Voilà, ce sont les seules choses qu'on part. Enfin, qui sont un petit peu noires. Donc si le FOV voilà, n'est pas bon, je le réglerai via le fichier de config, le point config. Les musiques sont pas bonnes, et bien écoutez, on partira en full horreur avec uniquement, je dis bien uniquement, le son du jeu sans les musiques. Parce que je considère ce jeu comme un jeu d'horreur. Et par conséquent, je pars en difficile. Soyons fous. Ok, bon. On va prendre un homme, hein. Allez, bah Morgan Liu, effectivement, Morgan et Morgan. Effectivement, d'ailleurs elle a les yeux, ouais, d'accord. Bref, le jeu est à fond, normalement. Et donc on part pour notre aventure dans ce jeu, donc normalement censé être de l'horreur. Et donc ça c'est cool. Si vous voulez que je supprime la lumière derrière moi, là, toute la lumière qu'il y a là, je peux le supprimer si vous voulez que ce soit un peu plus horreur. Dites-le dans les coms, de toute façon je le mettrai, là je vais tourner 3 épisodes aujourd'hui. Et appuyez sur une touche ou un bouton, j'appuie. Et vous pourrez me dire pour la prochaine session qui aura lieu sans doute lundi. Bonjour. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Ça ressemble un petit peu à du Daft Punk. Sympa. Bon, c'est fluide de la mort qui tue, hein. On va rien dire, hein. Que le travail d'optimisation a été épique. Bonus de précommande. Merci d'avoir précommandé Prey. Vos objets de précommande se trouvent dans le conteneur spécial du bureau de Morgan. Souris 2. D'accord, intéressant le souris 2. Ok, clic droit pour. Ok, un instant. J'augmente le son du jeu. Là, ça va pas. Du tout. Crac. Je suis à fond. Alors je tiens à préciser que je suis à fond au niveau du jeu. Peut-être que je peux faire ça, attendez. Crac. Pour augmenter un petit peu le son chez vous. Ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgan. Comme au bon vieux temps. Dac, pas de soucis. Ok, bah on y va alors. Nouvel objectif. Vous avez de nouveaux objectifs sur vous pour vous transcribe. D'accord. Première journée, enfilez votre uniforme de Transtar, d'accord. Ok, inventaire, données, d'accord. Les inventaires à l'ancienne, ça j'aime beaucoup. Ça, ce jeu risque d'être une putain de tuerie. Je peux avoir... Oh putain. Portée, force physique 3. Ok. TVR des montagnes. Ah bah je vais prendre un petit T. Et puis pourquoi pas une petite prune, ça c'est une prune que j'ai mangée. Merci, c'est bon. Statut, regardez. Est-ce que c'est là-dedans le statut? Données. Email recherche tab. Je peux pas voir le statut. Je vois pas à quoi correspond mon statut bouffe à gauche. Pourquoi pas des lettres. D'accord, il y a une espèce de, vous voyez, de pencher. Là c'est ça, ok. Ça d'accord. Comment je suis censé prendre? Suis-je censé... D'accord, extrait d'une encyclopédie de cuisine. Si tu veux, la sous-chef collée de la peau de poulet sur un saumon évitera que l'extérieur du poisson ne cuise trop. Et c'est exact. C'est vrai en plus, c'est méga vrai de la mort qui tue. Pour une cuisine wok'n'roll. Ok. Extrait du chapitre. D'accord, la cuisine avec un wok et en fait ses preuves pour être peut-être une expérience unique. Ouais, bon, si tu veux. En plus, je viens de cuisiner ce midi. Enfin, de toute façon, quand je cuisine, c'est rigolo parce que... C'était ça qu'il fallait que je fasse? Je sais pas c'est quoi ces touches. Ah! Didacticiel. D'accord, j'en ai eu qu'un. Option. Commande.
Utiliser porter F. D'accord, ce sera avec F. Moi j'appuie sur E. F, 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 F. Psychoscope avec le W. D'accord. Capacité psy, bon d'accord. On se spoil un petit peu, mais c'est pas violent non plus. Hop. Donc si j'appuie sur F. Ouais. Non, non, je veux le reposer, c'est possible. Merci. Ok, cool. Je peux le reposer sur la table. Merci. Ok, c'est cool. Jusque là, je me marre. Bon, bah, du coup, c'est pas très très fun pour vous. La méthode C, SCI. D'accord, hein. Du niveau d'Einstein, ok, pourquoi pas. 20 petits... Oh, bah, oh, oh, on va pas se... Hein. Félicitations. Oui, merci pour... Je ne sais pas. Ok. Masse bouquin, masse truc. Oh là 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 là. D'accord, sur les extraterrestres, pourquoi pas. Une BD. Une BD. Blum. Ouah, la force de projection. Principe de neurosciences, machin, bidule truc, ok. Lavabo, Oh. Savon. Cravate. Mon dieu. Aucune réflexion. Ah, il doit être mat parce que j'ai pas allumé les lumières, je présume. Ok, pourquoi pas. Pour des chiottes, je vais pas vous montrer comment on l'utilise, si vous voulez, sans doute. Voilà. Je peux rentrer dans la douche, oui. Ah, oh, ça fait du bien, bref. Ah, attendez. Ouh. Pourquoi j'ai pas de réverbération? C'est nul. Ok, bon. Pourtant, je l'ai activé, hein. Je vérifie, mais... vidéo, pardon. Paramétrage avancé. Ah bon, ça devrait être ça. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est à fond. De chez fond. De chez fond. Du coup. Pizza. Paradoxe. Examiner. Détail. Tous les postes de travail d'employés de 35 contiennent souvent des informations difficiles ou des options pouvant s'avérer utiles. D'accord. Si je fais T, il se passe quoi? Tutoriel. Poste de travail. Ok. On a recours à l'appareillage pour... Oh, ok, d'accord. Ok, intéressant. C'est pas mal. J'aime bien. Bonjour. 3 emails. Bonjour. C'est sympa, l'interface. Salut Morgan. Quel plaisir de savoir que vous êtes arrivé bientôt à bord. Vous arrivez bientôt à bord. Vous commencez officiellement lundi 15 mars, mais nous soumettons tous les nouveaux employés à une série d'exercices. Quelques boutiques pour vérifier votre capacité à vivre en orbite. Ça sonne palpitant. Bon voyage. À très bientôt. D'accord. Salut, je t'ai envoyé un colis contenant tout le nécessaire pour ta première journée. Uniforme, temps scribe et neuromode. Installe le neuromode tout de suite parce que je veux mener des tests à la première heure. Il suffit de suivre les instructions, je te contacterai. Tout est prêt. Salut, je viens d'avoir papa et maman au téléphone. Ils ne seront pas là pour le départ de la navette. Ils sont à New York pour affaires, mais ils nous souhaitent bonne chance. Maman m'a semblé embêtée. D'accord, Alex et Morgan, d'accord. Que ces deux enfants soient simultanément de son champ de gravité. Elle te conseille de bien te tenir et d'obéir à ton grand frère. Non, je rigole. C'est le contraire. Je suis censé bien me tenir et faire tout ce que tu me dis. Enfin bref, c'est maman. Hein. Quoi qu'il en soit, tout le monde adore tes idées là-haut. Alors faudra pas t'étonner. Je t'appellerai sûrement dans la matinée pour être sûr que ton réveil a sonné. A très très vite, Morgan. D'accord. Cool. File une idée. Je prends. Ça a l'air d'être intéressant. Pour ramasser plusieurs objets. Wow, 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 boum. Voilà, c'est rangé. Ça, je ramasse. Ok. Bon, apparemment, dans mon bureau, j'ai quelque chose. Ah, la bouteille est vide. Je ne peux donc pas la prendre. Non, il peut... Voilà. Bon, bref. Mon bureau. Oh, putain. La penderie. Ouh. You touch my tralala. Oh my diddy dong. Ok, bref, ça me dit toujours pas ce que je suis censé trouver dans mon bureau. On est d'accord, j'ai pas rêvé, chers amis. Le didacticiel, bonus de précommande. Oh, apparemment c'est pas mon bureau, c'est ma chambre. Oui, je suis con. Ok, ça me semble logique, ça me semble logique. Pourquoi pas. Ah, je voulais voir aussi le système de chargement. Crac. Ok, sauvegarde en cours, tranquille, tranquille, mimil. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Oh! Les jeux du futur ont des manettes! Triste. Triste, triste, triste. Mon café. Est-ce que je peux me faire un café? J'ai besoin de me faire un café. J'ai vraiment besoin de me faire un café. Café? Pas de café? Pas de café. Tant pis, pas de café. Bon, bah... combi, hein. Première journée, enfilez votre uniforme de Transtar, votre appartement. D'accord. Ouh.
Vous avez aimé ma grosse zipette? Ok, monter dans l'hélicoptère sur le toit. Ah oui, carrément. Oh bah oui, tant qu'à faire. Il y a une porte là. Vous avez vu ça? Je l'avais vu. Oh! Oh! Biltong de tomates séchées, je prends. Mon dieu. Du glucotonus. Oh, du glucotonus. Bah oui, forcément. Hop, je prends aussi, tiens. Crac, 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 crac. Du produit désinfectant. Ouais, non, c'est bon. J'en ai déjà mis sur mes mains ce matin. Dans ma sacoche. Je la prends peut-être, ma sacoche. Je prends ma sacoche. On y va. Je peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Putain! Ok, c'est bon. On est dehors. Bonjour. Oh, bonjour, voisin. Ah non, c'est pas voisin. Bonjour, monsieur Yu. Bonjour, madame. Oh, j'ai une barre d'endurance. D'accord. Je peux prendre ça? Merci. Ça permettra de m'éclairer dans les moments sombres. Je peux pas. Hop. Coucou. Tiens, je t'éclaire. Vas-y, vas-y, trop tard. Ah. T'as plus le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Je viens de voir un truc qui m'intéresse. Tiens, regarde. Prends ça. C'est pas le moment. Ah, pardon. Excuse-toi. Ouh, glissade. Ok, cool. Bon, pourquoi pas. Bon, bah, salut, hein. Toi, mon état. Ah, bah, je vais aller plutôt sur le toit, hein, de préférence. Je peux aller sur le toit. Ah, oui, faut que j'appuie sur F. Je voudrais cliquer comme un con. Hop, ok. Bon, bah, c'est sympa jusque-là. J'aime beaucoup. Ça, pour moi, ça a un gros, 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 gros côté Bioshock. Roof. C'est quoi ça? C'est verrouillé. C'est donc strictement rien du tout. Wow! Besta culotte, c'est moi qui pilote. C'est parti, bon. C'est fort au niveau du son là, ou pas? Ça me semble pas trop trop mal, mais bon. Excusez-moi. Crac. J'ai baissé un poil le son, ça me semble fort. Crac, vas-y, retourne-y. Superbe siège. Monsieur Yu, je vous en prie, installez-vous. Nous allons décoller. D'accord, merci. Transtar est tout près d'ici. Ok, cool. Bethesda Softworks Presents. Sphere Distribution, ISO, ISO. JTG, le joueur tucronier. Je suis en mode pimp. Hein. Ouh, c'est joli. Ça date un petit peu, mais c'est joli. Ah, Narcan Studio Production. Ok. Why not? Ça a un gros côté au niveau musical. Là, pour le coup, c'est Drive plutôt. C'est sympa. Par contre, honnêtement, la ville est pas belle à regarder. Hein. La ville est pas belle du tout à regarder. Elle est absolument laide même, je dirais. Je veux pas être méchant, hein, mais là... Heureusement que c'est qu'un décor qu'on voit genre une minute au début du jeu, quoi. J'espère. Pray. Don't you dare pray for me. Pour ceux qui voient la référence. Nous sommes arrivés, monsieur Yu. Doc, merci. Attention à la vitre en sortant. Garde la monnaie, s'il te plaît, merci. T'aurais pu couper les moteurs, connard. Où est-ce qu'il est, l'escalier? Là. Ouais, cool. Coupe les moteurs. Merci. Hello. Bonjour, docteur Yu. Bonjour. Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Bonjour, Sibyl. Nos recherches nécessitent souvent de longues et intenses heures de concentration. Après le test, je pourrais vous proposer un stimulant psychoactif, si nécessaire. Ooh. Tout le monde a hâte de voir ce dont vous êtes capable, Dr. Yu. En tout cas, William, j'ai hâte. Transtar possède plus d'une douzaine de centres à la pointe de la technologie partout dans le monde. Et même plus si on prend en compte l'intégralité du système Terre-Lune. Mes instruments sont calibrés pour l'analyse de grands volumes de données et de relevés en direct. Ne vous inquiétez pas, rien n'échappera à notre surveillance. D'ici peu, vous serez à bord d'une navette en direction de Talos One. Cool! L'ascenseur vous emmènera directement à la zone de test. Tous nos laboratoires répondent aux normes de sécurité minimales. Étrange,
Ça n'était jamais arrivé auparavant. Je vais devoir remplir une demande de maintenance. Veuillez m'excuser, Docteur Yu. Je suis sûre que votre frère vous attend. Et il ne me parle plus. Excusez-moi. Génial. Parfait. On y va. Ah, c'est cool. Ça va, on descend vite. Faut compter 2m50 pour un étage. On vient d'en faire deux. On va descendre de 20 mètres déjà là. Enfin, 40 mètres même. Bon, même pas loin de 50. Oh merde! T'es mon frère! Non, on peut changer? Papa? Maman? Je veux changer, il est pas bien. J'aime pas sa tête. Tristesse. Hey, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. Je veux pas te faire la bise. Et ton œil? J'arriverai pas à trouver le bon menton. Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans notre sang. D'accord. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. D'accord. Bonjour. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. D'accord. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Ok, je te remercie. Merci. Votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Écoute, sois toi-même. On se voit après. Dak, je te remercie. Sésame. Sésame. Docteur Yu. Oui. Bonjour. J'aimerais pouvoir te montrer sur quoi je travaille. Tu ferais mieux d'y aller avant que Bellamy s'impatiente. Oh. Il a changé de voix. Il a changé de voix. Bonjour. Là, mais non, j'ai déjà lu celui-là, désolé. Oula, ça bug chez toi, dis donc, mon frère. Je peux rester là? Non, franchement, je regarde là et ça me tente pas. Bon, bah, allons-y. Bonjour. Je me planque. Bonjour, Morgan. Bonjour. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais... Croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Ah non, en fait, t'as pas une... Tout va bien? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Merveilleux. C'est... Tout va pour le mieux. Passons à la salle B. J'ai pas envie. Bon. Bonjour. Très bien, Morgan. Écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Regardez. Est-ce... qu'il se cache derrière la chaise? Une activité synaptique à signaler? Aucune? Non? Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la suite, Morgan. Allez dans la salle C. Vous vous en sortez très bien. Comment ils veulent que je me cache? Dans une salle d'observation. Putain. Bonjour. Bon. Nous y voilà. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Silence? Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. Vous avez bien vérifié? Le haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgan. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Plus qu'un test, passons à la salle D.
Ta caméra ne me voit pas. Putain! Putain, elle était là, la planque! Bah non, là, il me voit à travers la vitre, je suis con. Quelqu'un peut m'apporter du café? Ce serait bien aimable. Merci. Je suis assis, là? Très bien, Morgane. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Eh, je peux pas regarder derrière moi. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Il y a un mec qui est sorti de l'écran, et moi je peux plus tourner la tête. Appuyez sur l'écran pour commencer. Préparez des vacances. Allez dans un endroit familier que vous adorez, ou essayez un endroit familier. Bien, on dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. Vous êtes condamné à mort pour vos crimes. Que ressentez-vous? Si j'ai fait des crimes, c'est que ça en valait le coup. Oh, c'est du lourd. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous pouvez changer l'aiguillage du train, mais une personne est ligotée sur la voie de secours. Un vaut mieux que 5. Bien. Suivant. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous êtes sur le quai à côté d'un homme incroyablement obèse. Le plus sur les rails arrêterait le train. C'est presque fini. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Sauter sur la voie arrêterait le train, mais mettrait fin à vos jours. Eh bien, je suis un... Ça me semble logique, hein. C'est la même logique que j'ai depuis le début, hein. Bien, bien. Tout ce qui vaut le coup d'être fait vaut le coup d'être fait. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez. Ah, le test de Roche. Dans un instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? C'était un mimique. Elle est vide. Oh putain! J'ai essayé d'atteindre la porte. Dommage, dommage, dommage. Putain, on l'a à peine vu se transformer, c'est chaud. Alex. Ça va être que ça. Oui. Simmons. Non, c'est pas moi, c'est Morgane, moi. On a un problème. Et concernant Morgane, il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Dac. Entendu. Sympa le frère, hein. Sympa, sympa. Bonjour Morgane. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Danger, partez tout de suite. FDM, ça veut dire quoi ça? C'est beaucoup moins joyeux comme musique. J'ai pas pensé à fouiller la table de nuit. Est-ce que du coup on a récupéré des choses là-dedans? Cool. Il y a des choses qui sont plus au même endroit, on est d'accord. Hein. Cette note-là, elle était là. Bon, c'est pas grave. Allons-y. La musique est pas stressante pour un sou. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Je vois les traces, donc je me dirige vers les traces. J'ai une pétoche. J'ai une clé à griffe. Allô ? Ce qui est arrivé hier est
Il n'y a plus le couloir ici. Ah mais il n'y a plus le couloir où je suis allé. Évasion, si tu veux. Ok. What the... Ok. Simulation. Dehors, se réveille, éteint l'alarme, consulte son transcript, cherche l'ordinateur, tâches diverses. Prends une douche, enfile son uniforme, sort de l'appartement. D'accord. Je t'écoute. Vous êtes dans le laboratoire de simulation. Dirigez-vous vers la sortie. Je reste en contact. Oh la vache. Ok. Ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. Oula, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Tu peux te casser. Je voulais avancer, voilà. Fil dénudé. Ok. Bah ça a l'air sympa. D'accord. La musique est pas forte du tout. Le rouleau de PQ ça m'intéresse pas apparemment, le film des m'intéresse. Ok. Table de nuit elle est vide comme l'original. Je m'en doutais. Viens, papa. D'accord. C'est pas flippant pour un sou. Wow. Je t'ai vu. Il se déplace vite ce sac. Salaud. Organe de Typhoon. Tumeur de mimique. Nécropsie. D'accord, ok. Intéressant. Allô? Non, y'a personne. Ok. Wow, clé à griffe. La clé Phaistos Effi est distribuée à la poignée. Attaque chargée pour un maximum de dégâts. L'attaque consomme de l'endurance. Ouais, d'accord, ça je suis au courant. Je viens déjà de buter un Typhoon. Mot de passe, d'accord. Wow. Dégage. Hop, bonjour. Email. Rappel du règlement, protection des mots de passe. Sujet de ce matin, je sais que l'incident de ce matin vous a chamboulé. Pour éviter toute panique inutile, je vous demanderai de ne pas contacter des personnes travaillant de votre département. D'accord, pendant ce temps, Madame Lazare et son équipe de sécurité sont en alerte maximum, d'accord. Ok, ça pue du cul cette histoire, mauvaise installation. Donc, apparemment j'ai des neuromodes installés, mais lesquels... Je ne saurais le dire. Coffre de la salle de débrief. Ça devrait être autour, hein, je présume. The safe code is... Six, deux,
1, 6, 2. Alors le premier chiffre, je sais pas ce que c'est. Je pourrais le pirater. Comment je peux faire? Il y a un 0 ici. 0, 1, 6, 2. 0, 1, 6, 2. Question, est-ce que j'ai le droit de le... Mais non! Je vais le trouver. Ah non. C'est particulier, hein. Le menu de... Ok, c'est bizarre. Ah, est-ce que je peux l'ouvrir sans le code ? On est d'accord. C'est étrange. Et donc j'ai vu, il y avait ça. Piratage 3 nécessaire. Ok. Ah, est-ce que ça va être là-dedans? Attendez, est-ce que c'est dans mes notes? 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 Hop. Donner. Mot de passe. Donc j'ai rien au niveau du code. Mais c'est quoi le code alors du coup? Putain, je suis si mauvais que ça? Oh merde, je veux pas le louper ce coffre moi. C'est... ça doit être autre... ça doit être quelque part. Ça doit être quelque part. On va chercher un peu, ça doit être quelque part. Je suis pas allé voir ici. Test quotidien. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. D'accord, ok. Test de ce matin. Non, y'a rien ici. Où est-ce que peut être ce safe code? Merde! J'ai pas envie de louper le premier coffre! J'ai pas envie de louper... Attendez. Non. Je vais louper le premier coffre si bêtement que ça? On est d'accord, c'est 6-2 à la fin. Ça ressemble clairement à 1-2. Je cherche, je cherche. Ça devrait être dans le coin, hein. Ça devrait y être. Ah, mais ça va m'énerver vite fait. Parce que je suis censé l'avoir sous le nez, ça m'énerve. Oh putain, attendez. Nope. Nope, nope, nope. The safe code is... Mais putain, mais je le sais pas moi. Je trouve il est dans une bande-annonce. Ah! Bon, apparemment, c'est pas dans la pièce. Je suis pas le seul à chercher, c'est pas la peine. Ah, nom de Dieu. What the? Bon, on y va, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge.
pas flippant pour un sou. D'accord. Message de ce matin, d'accord. D'accord, on l'a déjà lu celui-là. Ok, utilitaire. Gestion des tests. D'accord. Je suis en train de comprendre ce qui m'arrive en fait. C'est pas cool. On le transforme en centre de test. Kit de secours. Donc j'imagine qu'il faut que j'aille dans haut, dans inventaire, que je dise que ça R. Non, même pas. C'est même pas là. Puce de combinaison, puce de psychose. D'accord. Comment je les assigne? Comment je les assigne? Sélection rapide. D'accord. Peut-être directement là. C'était là. C'était là. D'accord. E. Ok, pourquoi pas, si tu le dis. Ok. Pas flippant pour un sou. Il y a deux chaises. Alors ? Ok. Je veux pas qu'il y ait de gaz. Non, c'est pas dans celle-là. Putain, il me l'a pas ouvert la porte. Dommage. Ok, tant pis. Donc je peux pas ouvrir la dernière parce que c'était une demande à faire à quelqu'un d'autre. Transcribe Marco Simons. Lecture. Simons, pardon. On a un problème. Et concernant Morgan, il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendez. Oh là là, je vois qu'on me fait oublier des choses, c'est sympa. Ça met dans l'ambiance. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette pièce? Apparemment non. Saint-Écube. Si, voilà, c'est vrai. Grillé, c'est dommage. C'est pas les grillés qui m'intéressent, c'est les fonctionnels qui m'intéressent. Ok. Skill recorder, ok. Le coffre. Ça m'emmerde. Ça mène à rien. Control room. Décontamination, donc non, on va pas aller dans la décontamination. Hop, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Je me sens un peu perdu, ce qui est... Putain! Sale bête! Qu'est-ce qui arrive à ta tête?
Ah, j'ai une batterie sur ma... Oh. Ok, désolé pour cette image d'horreur. Bon, toi t'es mort. Voilà. Merci d'être venu. T'es littéralement un mec bien. Merci, merci, merci. Le coffre, j'ai pas... Pas du tout vu pour le coffre. Ça m'emmerde. Ça s'ouvre ? Ça s'ouvre. Wow, putain. Désolé. J'ai essayé. Hein. Tu veux encore en manger ? Oh ! Il y a deux chaussures, mon dieu. Déchets bio. Je regarde derrière quand j'entends ce genre de bruit, moi. Ok. Dim sum d'hiver. Ok, bien détaché, je prends. Pourquoi pas. Cet épisode est un petit peu plus long que prévu. Ok, bonjour. Rayon d'action, salle A. Imitation, salle B. D'accord, d'accord, ok. Ça, c'est les différents trucs de test. Salut, je crois que Bellamy a sorti des données relatives aux mimiques et à la manière... Non, la petite disparition du cadavre. Bon, mais je... service traumatologie a récupéré sur son cadavre la carte d'accès de sa cabine. D'accord, ok. Donc, le Bellamy était pas forcément à... Y'a pas le code? Non. Non, non, non. Ok. Oh! Votre propre style. Essayez votre approche différente. Si un ennemi ou une situation vous semble trop difficile, vous pouvez franchir une porte verrouillée en trouvant sa carte d'accès en empruntant un autre chemin. Plus d'options s'offriront à vous au fur et à mesure que vous apprendrez de nouvelles capacités. D'accord. Ça m'a un peu spoilé la pièce, mais c'est pas grave. Ah. J'ai pas le piratage 1. D'accord. Papier froissé. Papier froissé. Y'a pas le code quelque part. Profil musculaire. C'est une... Alors ça, ça c'est une référence, chers amis. Selon moi, c'est une grosse référence à Dishonored de Arkane Studios, là aussi. Bah alors, t'es pas si agressif que ça finalement. C'est juste de la simulation, ouais. Ok. Sylvain Bellamy. Je m'en doutais. Il s'est retransformé en quelque chose. Il s'est retransformé en quelque chose. Oh. Je t'ai grillé! Attaque surprise à 3 reprises, c'est ça non? Que t'es écrit? Note personnelle, redemander les tests. D'accord, ok. Toujours pas de code. Derrière peut-être? Non. Est-ce que j'ai regardé derrière l'autre code? Non. Intérêt, aucun. 23. Ok, pourquoi pas. Des cigares. Ok, le pass. Ok. Test quotidien, pas de code. Pas de code. Pardon ? Je prends. Si c'est à prendre... Il va y avoir une raison. Alors je regarde s'il a pas un tiroir dans son bureau. Et dans la poubelle, il avait des cigares usagés. Bah, je vais prendre les cigares usagés. C'est génial, je fais les poubelles.
putain. T'es pas discret pour un sou, toi. Mira, t'es pas bon non plus. Regarde le téléphone, balle de 9 mm. Ok, il avait des balles de 9 mm dans lui ou sur lui. Quelle question. C'est quoi ça? D'accord. D'accord. Boire. Merci. Que ça nous empêche pas d'être intelligent. N'explose pas pour autant, vous voyez? Aurais-je loupé quelque chose? Sale bête. D'accord. Le champ noétique. Et je peux, du coup, je peux pas remonter, je pourrais jamais remonter et aller. Si? Donc le code doit être encore trouvable. Vas-y, ouvre-moi la porte. Merci. Il est toujours là? Non? Non, j'ai cru. Qu'est-ce que c'est? Didacticiel. Pour réparer un objet, d'accord. Et je peux le faire maintenant ou... Je ne peux pas. Qu'est-ce que... Je croyais qu'il allait être coincé indéfiniment, moi. Gros sac. Ok. J'ai un canon à glu. D'accord, donc apparemment la combinaison peut se... Le canon glu, gelé liquide ultra entravante, de Transtar permet de désactiver ou d'immobiliser des cibles sans leur faire de mal. Cette arme peut également servir à éteindre d'incendie ou isoler des arcs électriques. D'accord. Intéressant. Je suis fatigué. Isoler des arcs électriques. C'est pas intéressant là d'isoler des arcs électriques. J'y vois flou parce que je suis fatigué, d'accord. Des fois qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Salut les filles. J'ai pas le code de ça. Ok, c'est parti. Puis sur rien pour votre transcript et accéder à la sélection des neurobots. D'accord, scientifique. Où je peux choper donc. Ça c'est quoi? Médecin 1, reconnaissance de médecine, augmente l'efficacité des kits de soins. Piratage 1, ingénieur. Force physique, réparation. Sécurité, revitalisation. Et les autres, je les ai pas. D'accord, bah je vais partir sur hack pour commencer. Crac. Alors j'ai eu une opération des os, donc des yeux, donc ça fait mal. Merci. Merci, merci, merci. Ok. Okay.
Pourquoi vous m'attaquez pas en fait autant que vous attaquez? You. Ah la vache. C'est avec physique. Ah, physique 2, donc je peux toujours pas le pousser même si j'avais eu que. Ok. Il m'a surpris. Je reconnais qu'il m'a surpris. Putain, il m'a frappé aussi lui là. Ça prendra. J'ai pas encore de raison d'utiliser le canon glu, j'ai l'impression. Il m'a sauté sur la gueule, c'est ça? Vous savez quoi? Pourquoi je peux pas le frapper? Il y avait un deuxième ou c'est moi? Ok, bon. C'est pas si simple que prévu. Roue des favoris, oui, oui. Molette de la souris. Oui, je suis au courant. C'est quoi déjà? D'accord, c'est de la bouffe. Et la bouffe m'apporte de la régénération lente. Ok, vendu. Ok, donc je suis sur Talos One apparemment. Ok, ça met dans l'ambiance. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir aimé. Moi je vais le monter tout de suite et le mettre à uploader pour en tourner ensuite d'autres juste après. Voilà. Salut les gens!